Alors, vous êtes l'expert de la maison en caviar. Oui, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, je vais vous faire goûter 3 caviars. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Vous allez choisir parmi ces 3-là. Ça, c'est un ossiètre. Ah, ça, c'est un ossiètre, oui. Tout à fait. Là, vous avez un Alberta. Vous verrez, on finira par celui-là parce qu'il est plus prononcé en goût. Chez nous, on fait goûter les clients et on leur montre les différents goûts, les différentes espèces. Et en fait, ils peuvent choisir, même pour la première fois, avoir une idée de ce que c'est le caviar. C'est très fin. Ce sont des arômes légers en iode, des petits goûts de noisettes. Voilà. Le caviar Petrosian, c'est un caviar qui est spécifiquement choisi, qui subit une maturation, une sélection, qui fait qu'en fait, le caviar, de la matière première, on en fait un produit d'exception. Délicieux. C'est pas un caviar comme les autres parce que nous avons une expérience de plus de 100 ans et toutes les étapes de fabrication du caviar, toutes les étapes d'affinage du caviar vont nous amener à avoir un caviar exceptionnel parce qu'on va mettre en œuvre nos petits secrets et notre savoir-faire et notre mémoire. Ici, vous avez le beluga, le uso-uso. Ici, vous avez donc ensuite le cèdre, Buldenstädti. Ensuite, vous avez le Bayeri. Et là, vous avez donc le Transmontanus. Et puis, en dernier, vous avez le Dorinki. Tous les 15 jours, on va goûter une boîte et noter, qu'on va noter sur les étiquettes, l'évolution du caviar. Et au fur et à mesure de cette évolution, on va dire, ben voilà, celui-là il est prêt, celui-là il n'est pas prêt. Le caviar, quand on l'achète chez nous, on l'achète au meilleur moment de sa maturité, on l'achète au moment où tous les arômes ont le maximum de leur développement. À ta santé, Françoise. Moi, je vous conseille de faire rouler les grains sur le palais pour avoir vraiment tous les arômes du caviar. Ah, le métier de Petrosian, c'est un métier de recherchineur de goût. C'est une expression que j'aime bien. On est toujours en train de rechercher le meilleur produit, le meilleur goût, le meilleur assemblage, le meilleur équilibre. Donc on va chercher jusqu'au fond du produit. Bon, c'est...